Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne faites-le maintenant Freedom News Network c'est juste ici juste pour nous rien que pour nous nous qui parlons encore cette belle langue de Molière contre vents et marées on est encore là et on n'est pas prêt de disparaître chers amis merci de votre présence de plus en plus fidèles et nombreuses 11 mai 2019 10h9 heures du Québec la magnétosphère, c'est une chose, mais apparemment, on aurait découvert autre chose aussi qui nous protège. Je vais vous mettre en grand écran, qui nous protège contre les radiations. Et ça nous a été rapporté dans le International Business Time. Et c'est une nouvelle qui date de, de quelques quelque temps. 2014, en fait, sur laquelle je suis tombé, puis je voulais vous la partager. Le bouclier invisible de placement qui protège la Terre des radiations a été découvert à 7200 000 au-dessus de la planète. Les scientifiques ont découvert une frontière nette au-dessus de la surface de la Terre qui empêche les électrons ultra-rapides de pénétrer dans l'atmosphère de la Terre. Selon des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, de l'Université du Colorado, Boulder, la Terre est protégée des électrons tueurs qui se déplacent rapidement par un écran de placement invisible, situé à des milliers de kilomètres de la surface de la planète. Très au-dessus de l'atmosphère terrestre, les électrons nocifs qui composent la bande externe de la ceinture de rayonnement de Van Halen. Se déplacent presque à la lumière ou à la vitesse de la lumière, pardon, balayant ainsi tout sur leur passage. L'exposition à ce rayonnement de haute énergie peut endommager les composants électroniques des satellites et poser de graves risques pour la santé des astronautes. Cependant, malgré leur énergie intense, ces électrons qui entourent l'équateur de la planète ne peuvent pas descendre en dessous de 200 km de la surface de la Terre à cause du bouclier ont annoncé des scientifiques dans une étude publiée jeudi dans la revue Nature. C'est presque comme si ces électrons couraient dans un mur de verre dans l'espace, a déclaré Daniel Baker de l'Université du Colorado à Boulder et l'auteur principal de l'étude. C'est presque en train de donner euh, un argument solide à tous ceux qui prétendent que la Terre est plate et qu'elle est euh, protégée par un dôme un peu comme les boucliers créés par les champs de force sur star trek et utilisés pour repousser les armes extraterrestres nous voyons un bouclier invisible bloquant ces électrons c'est un phénomène extrêmement déroutant le bouclier invisible appelé sifflement plasmaphérique est constitué d'ondes électromagnétiques à très basse fréquence dans la haute atmosphère de la terre les données scientifiques et les calculs ont aidé des chercheurs à détruire à aider les chercheurs, pardon, à déduire que le sifflement dévie les électrons entrants, les amenant ainsi à se briser en atomes de gaz neutre dans la haute atmosphère de la Terre et à disparaître. C'est un phénomène très inhabituel, extraordinaire et prononcé, a déclaré John Foster, directeur associé de Haystack Observatory du MIT dans un communiqué. Cela nous dit. Que si vous stationnez un satellite ou une station spatiale en orbite avec des humains juste à l'intérieur de cette barrière impénétrable, vous vous attendriez à ce qu'ils aient une durée de vie beaucoup plus longue. C'est une bonne chose à savoir. La dernière étude est basée sur les données recueillies par les ondes Van Halen de la NASA en orbite autour des environnements hostiles de la ceinture de radiation de Van Halen. Au cours de l'étude, les chercheurs ont observé une barrière extrêmement forte. Contre les électrons nocifs suffisamment stables pour résister au choc du vent solaire d'octobre 2013. Pour déterminer ce qui pourrait créer et maintenir une telle barrière, les chercheurs ont envisagé plusieurs possibilités les effets du champ magnétique terrestre et les signaux radio des émetteurs humains sur Terre. C'est comme regarder le phénomène avec des nouveaux yeux, avec un nouvel ensemble d'instruments, ce qui nous donne les détails pour dire oui, il y a cette frontière dure et rapide a déclaré Foster, wow. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, envoyez-moi vos commentaires et vos liens comme vous le faites euh, si, euh, si bien habituellement, hein, très fidèlement. Je vous remercie pour les centaines de liens et de messages envoyés. J'attends vos commentaires et vos réactions suite à cette découverte d'un bouclier invisible de placement qui semblerait euh, être comme un don. Un mur de verre dans l'espace! C'est presque c'est presque comme si des électrons couraient dans un mur de verre dans l'espace. Un très, très intéressant, et ça nous vient euh, d'International Business Times.